Premier ministre qui est arrivé nommé par Conseil présidentiel de transition, qui c'est Gary Conny, nous allons faire un petit parler de lui dans la vidéo. N'oubliez pas de suivre la page de la Soupat Professeur, il y a une façon pour capable de connecter à toutes belles vidéos que nous avons portées pour vous. Eh bien, il faut connaître que Gary Conny lui-même était fait dans la date qui était 26 février 1966 là, à Port-au-Prince. Il est un médecin et un homme d'État. Il faut connaître que Gary Conny lui-même, ce n'est pas la première fois que il est arrivé Premier ministre. Il était déjà Premier ministre, sorti octobre 2011 pour arriver mai 2012 sous administration Michel-Joseph Martelly. Et l'a exercé fonction ça encore une autre fois depuis 29 mai 2024. Là. Ma foi qu'on est que Gary Conny lui-même, il était pris en maîtrise en politique et en administration de la santé dans l'Université Caroline du Nord à Chapel Hill, dans la pays les États-Unis. Et tout de suite après, il était dirigé ensuite vers des études en médecine. Elle te prend un certificat de spécialiste en gynécologie et également un doctorat dans l'Université d'État d'Haïti. Et en 1994, elle était directeur de l'Association nationale pour le développement. Elle était instauré un système de soins de santé primaire dans le quartier défavorisé dans la coupe pays d'Haïti. Sorti 2000 pour arriver 2004, elle était créé une émission dans la radio nationale avec Vision 2000 sous thème santé. Dans sa carrière avec carrière politique, en 1999, l'État a intégré l'ONU. De octobre 1999 à octobre 2002, il était chargé de programme pour fonds des Nations Unies pour la population à Haïti. De octobre 2002 à octobre 2004, il était conseiller technique pour la population service international PSI, une association qui luttait contre la pauvreté extrême. Et en mai 2004, il était retourné dans FNUAP en tant que conseiller technique en Éthiopie. Et chargé pour faire intervention sous contrôle population et santé. De janvier à décembre 2006, toujours dans l'ONU, il était conseiller technique sous projet du millénaire pour le développement OMD. En janvier 2007, dans FNUAP, il était coordonné programme mondial pour la sécurisation des intrants en santé de la reproduction sous région Afrique. De 2008 à mars 2010, il était chef d'équipe de l'université des OMD. De mars 2010 à juillet 2011, Gary Conny était chef cabinet de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, CIRH. Et puis, il était coordonnateur humanitaire programme des Nations Unies pour le développement au Niger. Il était un ancien collaborateur de l'ancien président américain Bill Clinton après tremblement de terre dévastateur pays d'Haïti dans l'année 2010. Qui était voué à aller plus passer 200 000 francs d'action. 24 mai 2024, il était arrivé nommé Premier ministre par Conseil présidentiel de transition pour venir chef gouvernement et il parle pour les gouverner Haïti jusqu'à nouvelle élection. Dans sa carrière pour avec vie privée, Gary Conny, il était marié avec Betty Rousseau, qui est petite fille ancien Premier ministre qui c'est Marc Bazin. Et il a deux filles jumelles, Soraya Conny et puis Gaël Conny. Et je nous te dis là, Gaël Conny lui-même n'est pas quelqu'un pour lui gouverner le pays jusqu'à ce que nouvelle élection arrive organisée. Dis-nous dans les commentaires qui ça t'a souhaité sous administration Conny.